Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo pour une nouvelle aventure où on va quitter le village là où on était depuis quelques épisodes et on va partir dans le désert que j'ai déjà été exploré une fois et on va y aller avec une selle, des laisses et on ramène le dromadaire. Voilà, petit objectif. Mais on va agrandir la ménagerie. Et je pense que c'est déjà pas mal pour cet épisode. Allez, je pars donc avec une petite meute. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je croyais avoir un chat, mais non. Bon, allez, c'est pas bien grave. On est parti. Donc, le dernier voyage dans le désert nous avait permis, je crois, de trouver donc une selle dans un temple qui se trouvait derrière cette colline là. Mais dans le village qui était pas très loin, je ne me souviens pas d'avoir vu. Wow, ça tombe là. Je ne me souviens pas d'avoir vu de dromadaire. Par contre, dans ce sens là, je me souviens d'un village avec un dromadaire. Alors on y va. Peut-être en accéléré pour vous. Et moi, ça va être long. Voilà. Le premier village, donc je suis parti vraiment en diagonale, tiens, petit chat ici, et je ne sais pas si c'est celui-là, oui, un dromadaire là, bon en plus il est enfermé, ah non en fait oui, donc lui il est jamais enfermé, alors, il dit à mon ami comme ça. Ah ouais, aussi facilement que ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est pas rapide. Et ça ressemble à ça. Très sympa. Bon, on va quand même lui mettre une laisse parce qu'il a l'air de faire un petit peu tout ce qu'il veut, lui. Non, ça s'accroche pas là-dessus. Ah zut, j'ai pas prévu ça. Bon, alors, pour l'instant, je t'enlève ça. D'accord. Le bruit est sympa. Non, mais je t'ai pas demandé de te... Vas-y, recouche-toi tranquille. Ouais. Ok, bon. Est-ce que je vois, il y a du monde qui dort dehors ou ils font une réunion de famille? Alors pour l'instant, je me suis pas occupé du tout de côtelettes de porc, non. Ouais, il y a ce qu'il faut là. Mais en fait, vous manquez principalement de quoi dormir. Ok. Donc si vous vous manquez, bah les autres aussi, et moi, par la même occasion, quoi. Ouais, ça peut être sympa quand on débute une partie, mais là, au stade où j'en suis, plus très intéressant, ce genre de stuff. Oui. Il est là. Alors, un lit. Non. Voilà, un lit. Pardon. Et voilà.
Waouh, ça brûle. Et quelle naze, pas circuler. Ouais, ça peut être sympa, mais non, pas maintenant. Mon objectif, c'est vraiment d'aller chercher le dromadaire. On va aller voir l'autre village. Alors, de nuit, voilà, je l'ai vu, il était là-bas. Waouh, waouh, waouh. Ouais, j'ai toujours l'idée de faire des feux d'artifice, hein, bien entendu, mais de les réussir cette fois-ci. Si vous savez pas de quoi je parle, ben regardez l'épisode que j'ai sorti. Ah si, il accélère. Donc l'épisode, oh là, que j'ai sorti pour la nouvelle année. Alors, d'accord, quand on le fait courir, il y va. Et il y va plutôt pas mal. Les chiens, ils sont derrière, je sais pas s'ils arrivent à suivre. Pas mal du tout, ça. Ouais, je me souviens de celui-là. Ok. Bon, je vais essayer de faire une petite vue comme ça. Voilà. Pourra peut-être me servir de capture d'écran pour la miniature. Alors vous l'aurez peut-être aussi remarqué, j'ai travaillé beaucoup plus mes miniatures de vidéos ces derniers temps, et je ne sais pas si c'est lié à ça, mais je constate beaucoup plus de vues. Alors merci à vous qui regardez les vidéos, et puis bah, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire effectivement si c'est la vignette, la miniature qui vous a attiré, ou si c'est vraiment hop le sujet de mes petits mais n'importe quoi, je me trompe de bouton, de mes petits let's play qui vous intéressent et pour lesquels vous venez découvrir mes vidéos. Toujours est-il que je vous remercie, ça fait toujours plaisir de voir qu'on produit des vidéos pour des spectateurs qui sont là et qui reviennent. Alors, bon, ici, il n'y a plus rien. Ah, c'est pas mal là, ici. Il y en a deux. Mais toujours pas de quoi les accrocher. Donc ça veut dire que si je revenais ici, je pourrais utiliser ce village-là pour fournir des lits pour l'autre village. Voilà, oui, j'ai toujours en tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, je disais toujours en tête de faire évoluer les différents villages. Même si les villages des déserts sont vraiment les plus compliqués. Car au niveau production, il n'y a pas d'arbres. Très difficile de faire des constructions. Allez, on accélère. On accélère, c'est pas mal, mais alors le saut, il est ridicule. Et non, là, je peux plus accélérer, il faut que je lui laisse un certain temps. Ok. Essayer l'accélération et le saut, bah non, le saut a été raté, mais ça n'empêche que, d'accord, ce genre d'eau, il le passe. Voilà, troisième village, c'est celui-là. Donc on a fait 1, 2, le troisième, il est là-bas.
j'ai enfin pu traverser. Oula! Ah mais... J'avais pas vu ça la dernière fois. Donc j'ai bien le village tout là-haut, là, perché. Un poste de pillard et... Un temple. Et je ne pense pas que c'est dans celui-là. Non, c'est pas celui-là que j'ai été voir. Oh, ça vaut le coup, ça. Alors, les animaux, le temple, vous n'avez pas besoin d'y aller. Voilà. Toi, tu restes parmi nous. Et moi, je vais par là, vite fait. Ah. Oh bah non. Je me disais, bah si, je suis déjà venu, mais non. Si ici ça n'est pas ouvert, c'est que je ne suis pas venu. Alors, qu'est-ce que je vais trouver dans celui-là? Oui, ok. Moi, tout ça, je prends. Ça, je le prends aussi pour mes tatous. Ok. Je prends. Je prends. C'est pas la folie quoi, mais ornement des dunes. Bah voilà un truc sympa. Ah, je croyais avoir pris, mais non. D'accord, mais non, non. C'est vrai que ça va par deux, c'est parfait. Toi, tu viens avec moi aussi. Et donc, hop, toi, tu restes là. Voilà. Et bien sûr, je vais pas pouvoir remonter parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Oui, c'est ça, toujours pareil. Youpi. Non, je ne laisserai rien en place. Voilà. Il va bientôt faire nuit. Que je me dépêche un petit peu. Où sont les animaux? Eh! Là. Oh, et l'autre il s'est barré déjà là-bas. Oh là là, mais c'est pire qu'un âne quoi. Ouais, heureusement ça va, il se pose. Allez vite, on va le chercher. Alors il ralentit énormément. Ah, il veut plus rien savoir là. Allez, je vais le laisser se reposer. Bon, je suis un peu déçu, j'espérais trouver un deuxième dromadaire par ici. Qu'est-ce que c'est que cette lumière là-bas? On ira voir ça au petit jour. Quoi? Je me suis fait mal en faisant ça. Aïe aïe aïe. Oh, mais sympa ici.
toi, jeune homme. Hop, oui, je te prends ta place. Et donc, on a vu de la lumière par là-bas. On va y aller. Mais on va éviter le zombie, là. Donc là, on a un joli bord de mer. Oh, on a encore un village là-bas. Allez. Donc, on a fait 1, 2, 3 villages. Et on s'en refait un quatrième. Étonnant. Ah. Bien ça, quatrième village et le temple là-bas qui ressemble au temple où je me suis rendu. Oui. Dans un épisode de qui d'ailleurs n'a pas eu beaucoup de vues. Tiens, en voilà un épisode qui mériterait d'être remis en valeur. C'est l'épisode où j'ai trouvé la première selle. Depuis j'en ai retrouvé d'autres, mais première selle que j'ai trouvée qui m'a permis d'aller chercher un âne que je vais faire s'accoupler avec un cheval pour obtenir un mulet. Bon, alors eux ils ont pas de boulot, ils ont pas de ouais, mais ils sont nombreux. Ok. Ah mais voilà, en voilà un autre. Excellent. Allez, viens avec nous. Est-ce que tu veux venir avec nous? Ouais, pas l'impression là pour l'instant. Oh punaise. Ah t'es en mode je bouge plus là. Oh, mais les deux sont en mode je bouge plus. Si, ça y est, c'est bon, lui il bouge. Allez, on y va. Lève-toi. Non. C'est pas vrai, c'est quoi ce délire? Allez, tous les deux. Ouais, si, ça fonctionne. Non, je garde ça, toi c'est bon, je t'ai gardé, et on y va. Ça nous suit, c'est bon. Allez, on va tenter de ramener les deux au village. C'est bon, ça suit. Oula, ça s'énerve là, ça va plus vite. Et il suit. Oh bah c'est super. Alors je vous conseille pas de faire ça avec des ânes parce que... Bah voilà, parce qu'il arrive ceci. Ça lâche. On perd. Ouf, et on retrouve. Ah non, allez, vas-y, lève-toi. C'est pas vrai. Allez, go. Ouais, ouais. Donc je disais avec les ânes, c'est exactement ça qu'on obtient. Et plus souvent... Oh mais non, mais... jamais je vais y arriver. Allez, go.
Oh, encore un. Oh non, j'en ramène trois. Oh, j'ai trop envie. Allez. Hop. Non, par contre, je suis peut-être pas au bon endroit, là. Donc, c'est bon. J'ai... je ramène deux dromadaires. Enfin, trois. Mais... cinq loups apprivoisés. Et je pense que j'ai pris la bonne direction. Je rejoins... le biome. ça grogne. Et ensuite, je vais passer à droite pour rejoindre le village. Je crois que c'est ça. Un là, il est où l'autre? J'en ai perdu un. Voilà, il s'est posé ici, très sympa. Allez, tu viens. On va jamais y arriver avant la nuit. Aïe, ça c'était pas prévu. On va essayer d'éviter de les embêter de manière à ce que ça soit réciproque. Voilà. Et par contre, la nuit arrive. Eh bien, on a réussi. Nous voilà au village avec donc trois dromadaires. Ah, ça me fait... ça m'éclate. Allez, je vais les emmener par ici avec les autres. Et on s'occupera un petit peu plus tard. Voilà, ça. Un, deux, ici. Toi. Toi, je vais t'accrocher, je ne sais pas où, mais vous allez vous installer. Bon, allez, tous ensemble, là, hop là. Voilà, posez-vous tranquille. Et bien, voilà. Je suis revenu au village. Allez, posez-vous maintenant. Ouais, ça manque de sable, je sais, mais... je vous trouverai un endroit, je vais vous installer un endroit. Faut que je me renseigne pour voir si on peut les mettre dans un parc. Avec des barrières, mais vu que je crois qu'ils peuvent passer par-dessus les barrières, par-dessus les obstacles qui font 1, ça sera des barrières de 2, j'imagine. Mais ça fera peut-être un petit peu trop cage. Bon, bah écoutez, voilà. Très content d'avoir réussi cette aventure de bout en bout. Trois nouveaux personnages, j'allais dire, mais non. Trois nouveaux animaux dans la ménagerie. Et bah, je vais en profiter maintenant pour me renseigner et voir un petit peu comment on peut s'occuper d'eux. Avant de repartir sur un nouvel épisode avec donc certainement une virée dans le Nether en ouvrant un portail par là-bas. Enfin, au moins pour vérifier si le biome du Nether dans lequel je vais arriver peut être intéressant. Et puis, comme... vous me l'avez indiqué dans les commentaires, bah pourquoi pas tenter l'archéologie. Mais alors après, j'ai vu comment on pouvait le fabriquer, mais pour savoir où sont les spots archéologiques, je vais peut-être être obligé d'utiliser des outils qui permettent de détecter
Donc je sais qu'il y a un site internet où on rentre la seed de ce monde et ça nous permet de nous afficher ça. C'est pas trop mon objectif, mais bon, à défaut, si jamais je ne trouve pas d'autre solution pour accéder à un lieu archéologique, ça sera peut-être une solution. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures dans une nouvelle vidéo. Salut!